Chaque année, 10 millions de tonnes de nourriture consommable finissent à la poubelle. On estime à peu près à 16 milliards d'euros la valeur de toute cette nourriture qui est perdue. Ces pertes et gaspillages tout au long de la chaîne alimentaire se répartissent de la façon suivante. 32% au niveau de la production, 21% au niveau de la transformation, 14% au niveau de la distribution et 33% au niveau de la consommation, aussi bien dans les restaurants que dans les foyers. En fait, tous les acteurs sont concernés, du producteur au consommateur. Et en fait, on s'aperçoit que tous les acteurs sont finalement interdépendants. Les professionnels se mobilisent sur ce sujet. Nous, on est là à la DRAF et à l'ADEME pour essayer d'amplifier ce mouvement, de faire en sorte que les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire se multiplient. Donc, on diffuse de l'information réglementaire pour ça. On diffuse de l'information technique aussi, on essaye de repérer les initiatives particulièrement abouties, de les faire connaître, de les décrypter. On organise, comme aujourd'hui, des colloques ou des journées d'échange pour que les professionnels puissent se rencontrer. Ça leur donne envie d'entreprendre. Venu pour rencontrer des partenaires, des personnes avec qui on partage les mêmes projets, puisqu'on a été lauréat cette année. Et je trouve que tous les intervenants sont très complémentaires. Nous sommes labellisés lycée 21, Carcassonne, et nous travaillons nous avons un axe sur le gaspillage alimentaire, donc je viens chercher des idées. Je me suis aperçu que les jeunes ne mangeaient pas la viande, et j'ai cherché un système pour qu'ils puissent manger la viande. J'ai acheté des couteaux à viande. C'est vrai que c'est toujours plaisant de voir qu'il y a une dynamique globale. Et puis je trouve ça très intéressant aussi d'organiser des espaces d'échange où on a la recherche d'un côté et de l'autre un regard terrain et action. Parce que c'est un sujet qui est quand même beaucoup plus complexe que juste gaspiller ses mal, quoi. L'état des lieux qu'on a conduit en région Occitanie nous amène à plusieurs recommandations pour les porteurs de projets actuels ou futurs. Et la première de ces recommandations, c'est priorité aux actions de réduction du gaspillage alimentaire à la source. La deuxième recommandation, c'est de davantage évaluer les projets. C'est important de disposer de données chiffrées. Troisième recommandation, ce serait d'initier davantage d'actions collectives. La dernière piste pour les porteurs de projets, c'est d'intégrer peut-être encore davantage leur projet de lutte contre le gaspillage alimentaire dans des actions de territoire. Les collectivités vont porter différentes politiques publiques qui peuvent toucher au gaspillage alimentaire, que ce soit des politiques publiques sur l'alimentation, sur les déchets. On espère que les projets de lutte contre le gaspillage alimentaire vont pouvoir se multiplier en région Occitanie.